Dansons à ma commandement. Pas de sémaphoutisé. Chacun d'ailleurs son quelqu'un. Greffier. Dégâts. Tchad, ce soir, c'est gâté. Decheux, gâté. À qui veut-on faire croire que bébé Maréchal a tenu un discours en direct adressé à la nation tchadienne en ce 61e anniversaire du Tchad? Si jamais tu me punis, le cri de guerre, s'il te plaît. Chaque jour, quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Équilibre. Parti-toi. Je tiens à vous dire, on va nous prendre pour bête, on n'est pas tes moutons. Donc, bébé Maréchal, vous voulez nous dire que vous avez tenu un discours sans destruction de la grammaire et de sa grand-mère. Et le tout en direct. Cela suscite beaucoup de débats. En tout cas, bébé Maréchal, je tiens à vous dire, commencez déjà à présent à virer toute l'équipe technique et la régie technique. Tout ce petit beau monde qui a travaillé dur, qui en fait même des répétitions, afin de ressortir le meilleur de vous-même à la télé devant tout le peuple. Tchadien, commencez à les virer et les chasser, eux tous. Parce que en l'occurrence, comme assurance de vérité, monsieur bébé Maréchal, je tiens à vous dire que tout ce petit beau monde de cette équipe est totalement nul. Maman Langa Eza. Catastrophe. Car en l'occurrence, comme assurance de vérité, je vous le dis encore en vérité, ils vous ont collé une honte nationale. Parce que vous n'avez pas fait de discours en direct, mais en lieu et place, vous nous avez servi un discours préenregistré avec un montage farfelu, nul à chier et que même le diable est déçu. Jésus. Oh, Ndjambi. Bref, avant de poursuivre, regardez. Tchadienne. Maman Nangaye. Jusqu'à quand, Seigneur? Mes chers compatriotes, il y a 61 ans, notre beau pays, le Tchad, accéder à la souveraineté internationale. Je peux comprendre que vous voulez enregistrer un discours qui discutise des bébés Maréchal. Et faire croire aux gens que oui, le discours, il est en direct. Mais le service de communication et la régie technique, marketing, tous ceux qui ont travaillé derrière ce projet macabre farfelu. Vous savez, dans la vie, quand on vaut rien et qu'on veut tricher, on triche bien. Voilà! On prend un matériel adapté et adéquat pour bien tricher. Car quand on veut tricher, on triche bien. Voilà! Parce que lorsqu'on regarde la vidéo du discours de bébé Maréchal, il y a un décalage horaire. Voilà! Entre ce que bébé Maréchal lui-même dit de sa propre bouche dans la propre vidéo diffusée et l'enregistrement audio qui a été préenregistré et qui est également diffusé en dessous de son discours. C'est quoi ça? Genre, vous nous voyez en bête, quoi. Genre, on n'est pas trop intelligent, quoi. C'est ça. Putain! La régie de bébé Maréchal, vous nous sortez un montage farfelu, découpé, lugubre, stérile et puéril, avec une vidéo préenregistrée et un audio préenregistré qui est diffusé au même moment, mais avec un décalage horaire. Faible en esprit. Entre ce que bébé Maréchal dit de sa bouche et puis l'audio que vous avez placé en dessous de son discours. Maman Langa Eza. Catastrophe. Les gars, honnêtement, franchement, devant Dieu, devant les hommes, vous êtes tous nuls. Et bébé Maréchal doit vous chasser parce que vous valez rien. Tellement vous avez peur du roi des immatures bravadeurs, vous battez faire du n'importe quoi. Mais venez me louer, payez-moi, j'ai fait ça pour vous. Zo au cap, on va même pas sentir décalage horaire de discours, même de quelque chose. Vous êtes nuls. Et vous n'avez pas le matériel adapté pour faire une vraie tricherie. Bébé Maréchal, toi aussi, ouais, tu n'as pas regardé la vidéo là. Les gars t'ont sorti un discours préenregistré farfelu et puis t'as laissé passer. Moi ça m'a choqué et ça m'a énervé. Parce que je sais que ça là c'est un travail de longue haleine, des jours, des semaines, voire même des mois, que vous avez mis à préparer tout ça pour sortir ça. Jésus. Oh, Ndjambi. Un discours préenregistré avec une voix préenregistrée pour donner un montage aussi farfelu. Mais en même temps, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Donc, bébé Maréchal, si je comprends bien, en l'occurrence, comme assurant des discours, vous ne pouvez pas tenir un discours cohérent, propre, limpide, fluide, palpable, en direct, devant votre propre peuple tchadien. Point d'interrogation. Dégâts! Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Dédéon, le mot de fin. Tous les sorciers qui sont ici, oui. Vous êtes des bâtards. Allez danser.